Je m'appelle Souad Abdelliwa, j'ai 34 ans, je suis mariée, mère de deux filles. J'exerce le métier de technicienne en radiologie médicale depuis 3 ans. Pour être simple, je pourrais définir le métier de technicienne en radiologie médicale comme une technique pour visualiser l'intérieur du corps humain en utilisant plusieurs techniques dont je cite l'IRM, le scanner, l'angiographie, la radiologie conventionnelle. Je vais accéder au dossier du patient pour contrôler ses valeurs sanguines. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. On fait en gros deux différents types d'examens. On fait des examens de type diagnostique et des examens interventionnels dans un but thérapeutique. Nous mettons un tablier en plomb pour se protéger parce qu'on travaille avec des rayons X. Et comme on doit passer régulièrement dans la salle, donc on est protégé. Voilà, ne respirez pas. J'affiche les images produites par les rayons X qui traversent le patient. Je dois les régler en fait de manière que ce soit interprétable pour le médecin. Parce que la même image est reproduite sur les écrans dans la salle d'examen. On reste pas toujours derrière les écrans, on fait des allers-retours dans la salle à la demande du médecin pour lui donner du matériel s'il a besoin. Quand le patient est parti, il me reste à traiter et archiver les images de l'examen. Notre travail de technicien en radiologie médicale, je dirais, c'est à la fois autonome et un travail d'équipe. Donc bien sûr, il y a pas mal d'examens qu'on fait seul, en fait, en autonomie, et sans la présence du médecin. Je vous laisse avancer un petit peu et poser bien le coude. Je vais vous faire donc deux radios. Voilà, tout de suite, monsieur. Je traite mon image et je l'envoie au médecin. Et d'autres examens où on fait, en fait, c'est un travail d'équipe et avec nos collègues techniciens et avec le médecin. Alors mon plus beau souvenir, c'était un patient qu'on avait traité. Le pronostic, son espérance de vie était très faible au moment du traitement. Et je l'ai rencontré des mois plus tard et puis il avait guéri.